sportif là. Ça s'est bien rempli quand même. On mange un peu tout. Il y a des lentilles. Des petits. Non, c'est des espèces de petits pois chiches. Ah oui. Avec de la grenade, de l'oignon, de la carotte, un peu de tout. Et en dessous, il y a une espèce de samosa écrasé. Et en dessous, ouais, il y a une espèce de samosa écrasé comme ça. Ça a l'air bien. Bon appétit, bien sûr. Et merci. Nous sommes le 2 octobre 2014, on est arrivé ici à 6h du matin et on va enfin pouvoir dire qu'on a vu le Taj Mahal. On a quitté la cohue de Varanasi pour se retrouver dans un petit village de 3000 habitants, Bodh Gaya. Un bon petit burger végétarien préparé dans la rue, dans le stand juste à côté. Plus debout à 5h du mat pour aller voir le Taj Mahal. Mais cette fois-ci de l'autre côté. Ça pique mais ça en vaut la peine. C'est super joli. En plus on a le droit à un super lever de soleil. Donc c'est pas négligeable. Yeah.
est arrivé à notre deuxième auberge à Agram. Et le mec, je crois qu'il est vraiment pas sérieux. On vient d'arriver, on était en bas, à la réception. On monte l'escalier pour aller à notre chambre. En fait, il y a un mec qui a décidé de s'accompagner. Et là, au moment où je ferme la porte, il dit monnaie, monnaie, monnaie. Pour un étage, monnaie. Non, sérieusement. Parce que c'est pas possible, on a plus de monnaie. C'est quand il y a la banque, alors, comme ça. Problème lié à régler. Ouais, autant dire que c'était un peu un sketch pour retirer de l'argent, pas de plus. On a quand même fait 5 automates. Sur les 5, il y en avait 4 qui étaient fermés. Il y en avait 3 qui n'avaient pas d'argent, 1 qui était fermé. Et le 5e marchait, mais il n'y a que moi qui ai pu retirer. Adeline n'a pas pu parce qu'il n'y avait plus d'argent. Incredible India. Sabine. Ah la 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 la. Bon, ben, attends, je relève le plateau quand même. Hein. Dernier Thalie, c'était sa dernière 50 ans. Hein, enfin. Mais plutôt contente. Enfin, aussi est content parce qu'en fait, c'est le plus gros Thalie qu'on ait jamais eu. Et là, tu me vois toujours pas en Inde. Ah, d'accord. Le dernier gros Thalie en Inde pour la dernière soirée. Bon, ça y est, normalement c'est le dernier bus qu'on prend en Inde. Après le dernier train hier. Bon. Voilà l'aéroport, enfin, si on y arrive, hein, parce que mais le bus c'est pareil, c'est encore la galère. Hein. C'est la croix et la bannière qu'on a utilisé avec les transports ici. On dit c'est celui-là, ah non c'est celui-là, ah non c'est celui-là, ah non faut d'aller en face, ah non faut d'aller derrière. Bref, on en a trouvé un. On espère que c'est le bon. Sinon on n'aura pas l'avion pour Katmandou. Ça va bien se passer, hein. Finalement, les 2 km pour aller à l'aéroport étaient pas très longs. On a dû mettre un quart d'heure. Donc prendre un taxi pour un quart d'heure de marche, c'est pas trop notre délire. Après un peu plus de 3 semaines passées en Inde, on est à l'aéroport, direction Katmandou. Ouais. On va dire que c'était beau, c'était cool, mais des fois c'était quand même très dur psychologiquement. Épuisant. Ouais, c'était épuisant. Les Indiens sont épuisants. Franchement, il y a des journées où on n'en pouvait plus. On savait très bien que c'était pauvre, Adrien y avait déjà été, mais c'est vrai que quand tu te balades et constamment on te demande de l'argent, constamment on te demande de la nourriture. Et constamment, on essaie de nous arnaquer sur tout et n'importe quoi. C'est... Les rickshaws, ils passent de 200 roupies finalement à 50. Même quand on a l'impression de bien négocier, et ben finalement on s'aperçoit qu'on pouvait négocier encore plus. Pour exemple, le rickshaw d'hier, il était à 200 roupies, on l'a négocié à 50 pour deux, donc on était contents. On s'est aperçu que finalement tous les gens sont rentrés avec nous dedans et ils ont payé eux 10 roupies. Donc voilà, par personne, donc à deux, ils auraient dû faire 20 pour tous les deux, pas 50. Voilà. Tout est comme ça constamment. Hier soir, ils nous faisaient croire que les hôtels étaient pleins pour finalement nous emmener ailleurs parce que c'était plus cher. Non, ils rentraient dans les hôtels pour leur demander de ne pas nous accepter. Enfin, ils sont juste ouf, quoi. On a vraiment l'impression d'être des petits porte-monnaie sur pattes, en fait. Après, le reste, c'était vachement bien. Hein, mais voilà, il y en a qui disent on aime l'Inde ou on la déteste. Moi, je pense qu'on est entre les deux. Voilà. On l'a aimé tout comme on l'a détesté. On l'a adoré. Tout ce qu'on a vu. Et les rencontres qu'on a faites. Certaines rencontres étaient vraiment géniales, mais après, non, c'est épuisant psychologiquement. Ouais, il y en a certains que tu as envie de claquer. Ah, même quand tu leur dis non, au bout de 10 minutes, ils sont toujours derrière toi. Rickshaw. Bon, voilà, en tout cas, c'est fini. Première destination achevée, place à la prochaine. On reviendra. On va voir le sud et la région d'Argeling, on aimerait beaucoup faire ça. Faire des treks, tout ça.